Le 50-50, 80-72, c'est confirmé. Confirmé pour 50-50, c'est capté. Pour l'unité, un ambulance en direction. 3 minutes. As-tu rentré? Le 22-4, t'as-tu tombé? Oui, je viens de t'envoyer. C'est bon. Tout le 87. L'écoute, le 87. 2 minutes pour le bien. 8-1-6-9. 0-4. Ouais, c'est de la root beer que tu bois là, mon homme. À l'écoute. On sait que le suspect, ben, le sans-abri, a déjà fréquenté Pinel, mais est-ce qu'il fréquente présentement Pinel? Okay, j'ai des antécédents d'une dizaine d'années. 49,85, je vais être au poste 49 pour un 10-16. Il y a un champ gris qui décollit. Je pars après. Il y a des lumières. On est capable d'avoir une description là, des gars là, pour confirmer là, pour que là. On a un char gris, on est rendu 81-48, il y a des lumières éclatées sur le véhicule. Il est parti de la scène. Les impacts de balles, de le... À Hermelon. Vincent, toi. Il est rentré dans le métro 80-82. US en stade 81-73 pour Vincent, il est inconscient. Il est déjà en direction au fils. Vincent, m'entends-tu? 86 a visé le service de police du métro, là, comme quoi qu'on a un individu armé dans les lignes du métro. Tu veux-tu genre y rejoindre dans le métro vu que vas-y, Eric est avec. Vas-y. Ok. Capable de bouger mes gens. Tu sais, quand t'es reçu, la police du métro de STM est en direction. Bouge pas, là, US est en route, Vincent. C'est dans quel métro que vous êtes? Allô? Policier gâté par balle. Hey, suis-moi, je pense qu'on l'a pris. Il est inconscient. Ouais, t'as évacué faut... directement à l'hôpital. Parfait. Go, sors-moi si tu viens. Sure, just bump into me. Hey, je vais entrecroiser, ok? Sors pas. Policier qui va vous escorter. 86, on a un individu atteint par balle, ça va. Zéro 9, Dwayne. C'est bon, là, écoute, les gars, ils croyaient, là, je suis en train de voir si on a pas un. C'est ça, c'est ça? Négatif pour ma part, là. Donc, l'individu, il y a moins. Voiture. Capté, c'est ma vue, ça a venu. Peut-être bloqué à l'intersection de Galas Avenue, peut-être son
Ouais, Vincent, il est rendu à l'hôpital. C'est bon. Comment? Pour Dwayne, j'ai sécurisé la scène, là. Moi, je suis resté où c'est que le truck blindé au départ, là. Fait que. Pour la confirmation du policier blessé, même moi, là, ben, quand il s'est mis à tirer, ça, c'est... on s'est fait tirer dessus. On virait, je suis parti ça suite avec le véhicule. Ben, j'ai pas rien entendu, malheureusement, par rapport à ça. Là. Puis ici, ça tirait. Puis, sur les heures, je dirais que c'est pas mal certain de mon côté, malheureusement. En tout cas, j'avais été chanceux avec une arme longue comme ça, là, qu'il y ait juste un blessé et pas plus de détection. Ouais, surtout tactiquement parlant, il était bien placé, pis on n'avait rien pour pouvoir le suivre comme tel. On a été un peu chanceux là-dedans. Ouais, d'après moi, il devait être shooté à quelque chose, il devait pas être à jeun, là, c'est pas impossible. Parce que pour qu'il vous manque comme ça avec une arme longue, là. Une arme longue. Ouais, il tirait à l'aveugle. Il se cachait sur le bord, puis c'est pour ça qu'on voit tous les impacts, là. Il tirait à l'aveugle. Ok, il tirait à l'aveugle. On a avancé en tir de suppression. On a vidé les chargeurs juste pour avancer pour qu'ils puissent se cacher. Puis on a réussi à prendre avantage au niveau de la distance. Puis on a réussi à le pogner. Là. Est-ce que la demande a été faite pour le 17 véhicule de la poursuite? Ligne test, monsieur. On vient de la compagnie TV pour le véhicule. Prends note également que pour le véhicule sécure, une remorque adaptée TV spéciale est en direction également. Capté, par contre, là, je vais vous envoyer une demande de T1 par rapport au véhicule parce que. Juste confirmer l'identité, vu qu'on sait pas si ça appartient vraiment au tireur ou. On confirme ça. Capté, monsieur, on vous écoute pour la demande PA. 48 Charlie Victor Sierra 690. Capté, monsieur, on parlerait ici d'une Infiniti QX45, véhicule appartenant à. Monsieur Taylor. Ouais, faudrait qu'elle fasse un pisse avec. Il est où, Jason? Toi, il est Jason? Il est dans la chambre. Il était prêt à partir. Bon, on s'en va sur un appel 999. Police demander sa position, un 911 raccroché. On n'est pas loin, Jason. Ouais, on a plusieurs chars pour un 999. Bonjour, police, la SPVM. Une réponse? Vous partez d'ici. Vous partez d'ici, là, tout est beau ici dans la maison, là, vous partez d'ici. Viens ouvrir la porte, s'il te plaît, comme ça on puisse parler. Il n'y a pas à ouvrir la porte là, allez, allez-vous-en ici, c'est moi l'homme ici, il n'y a pas de problème. Là, il va juste falloir ouvrir la porte comme ça on peut jaser. Il n'y a pas à ouvrir la porte là, allez, va-t'en. Tu es prêt à on l'ouvre nous autres même. Presse pas la porte ici là, tu fais rien, tu casses rien la salopard. La porte, je te la défonce. Tu calmes là, il n'y a pas de problème là. Je vais pas se mettre à sortir.
Les boys, on est non, c'est pas les mains quand tu es beau, là. Voilà, montre les mains, là. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Y'a rien fait de mal à dire. Hey, tu formes ta gueule, t'arrêtes de t'assister, puis tu sors de là avec tes mains dans les airs. Let's go. Là, elle est arrêté de capoter, là. Non, non, tu lèves les mains, puis t'avances vers les autres. Ouais, monsieur, tourne de bord. Hey, tu fermes la trappe, tu tournes de bord, tu recules, tu fais ce qu'on te dit, puis t'arrêtes de t'assister. Vous êtes sur mon territoire, vous êtes en train de moi. Ah, ok, bon, là, ça suffit. Ok, on rentre. Monsieur, mettez vos mains dans les... C'est clair à gauche. Il y a une dame aussi. Ah, chérie, là, sors-moi ça dehors, sors-moi les polices dehors, là, le chien. Vous sortez de ma maison ici, là. Non, non, hey, là, ok, de toi, tu te tasses. Madame, tassez-vous. Tu te tasses de là, toi. Toi, tu tasses, ça, sors ton arme de chez moi, toi, espèce de salopard. Ramenez avec moi, là. Qu'est-ce qui se passe, madame, là? Avez-vous du monde en dedans? T'as frappé la fille. Pardon? Tu me lâches! Tu me lâches, espèce de salopard! Avec moi! On est en train d'amener monsieur, vous pouvez rentrer. Tiens, je suis chez moi, ici, c'est ma maison! Les boys, c'est la maison de non-musulmans, ici, tu te prends pour qui? La dame confirme qu'il a frappé sa fille. T'as-tu bougé, calice? Bon, asti! Non, non! Hey, il y a ça. Oh, c'est beau! Lâche-moi, lâche-moi, être pas de ça! Madame! Aïe! Lâche-moi! Votre fille est où, là? Elle est cachée, là. Dans sa salle de bain. Ok. Non, 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 non! C'est la police. Ok, ok. Qu'est-ce qui se passe? Sortez, là. Sortez à l'extérieur, là. 3 pas. Tu vas t'éloigner du couteau, tu vas te reculer de 3 pas. Êtes-vous correct, mademoiselle? Ouais. Avez-vous des blessures en quelque part? Mets-toi les genoux seul. Pardon, j'ai pas compris. Ok. Fait, si tu bouges, je t'en décharge. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Venez plus loin dans la cuisine, là. J'entends mes confrères. Venez ici. Bon, votre mère dit que votre père vous a frappé, c'est ça? Il vous a frappé comment? C'est au visage? Oui, oui. Un bras? Quel endroit? Ben, il a voulu arracher mon téléphone, puis il me frappait. Il a frappé où, au visage? Ouais, ben, il a peut-être pas fait par exprès, mais il m'a frappé, puis mon père est très colérique, il voulait pas que je sorte comme ça. J'avais une soirée ce soir, puis il disait que c'était trop osé, j'étais pas digne de sa famille. Okay. Ce qui est important, comme vous me disiez, là, il vous a frappé avec la main ouverte, avec son poing, avec son coude. Comment il vous a frappé? Oh, j'ai pas marqué, il m'a arraché le téléphone. C'est plus une claque que j'ai mangé. Okay. Non, c'est pas un coup de poing, c'est sûrement une claque. Ok. Formation, les boys, la victime me confirme que le père l'a frappé au visage. J'ai pas mon téléphone, avec j'ai dit non, main ouverte. Il n'y a pas d'affaire. Puis... On est en 2022, pis il n'y a pas de raison, pis lui, il disait que je ne sais pas habillé comme il faut, pis je faisais honte. Vous avez quel âge, vous? Vous avez quel âge? Moi, j'ai 20 ans. Ok. Vous voulez porter plainte? C'est mon père, je ne veux pas porter plainte à mon père. Ben oui, mais là, c'est parce que si vous ne portez pas plainte, là, ils vont venir ici, là, ce soir, là. Non, mais là, mon père m'a frappé. Mais... Ben ouais, mais vous nous aidez à vous aider. Là. Oui, après ça, ils vont faire quoi après, là? Il ira s'expliquer devant le jeu. Je porte plainte. Non, je peux pas porter plainte, c'est mon père, là. C'est quoi que je vais faire, moi, après, là? Non, je peux pas. Je vais faire quoi, moi, après, monsieur Lejean, là? Non, mais. Écoutez bien, non, mais vous comprenez pas, là. Je porte plainte ce soir, là. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver là, après, là? Mais non, là, de toute façon... Soir, mais après, il va faire quoi? Il va se passer quoi, là? De toute façon, là, écoutez, là, en matière de violence intrafamiliale, on n'a pas le choix, nous autres, de porter plainte. Mais moi, je vais vous demander, pour le consigner au rapport, si vous voulez porter plainte ou non. Je vais indiquer que vous ne voulez pas porter plainte. Par contre, on va se devoir de détenir votre père pour le faire comparaître demain matin devant un juge. Ça, j'ai pas de problème avec ça, mais moi, vous en savez-vous, là, si je porte plainte, comment est-ce que je vais vivre après, là? Ça va être pire encore. Pour examiner la dame.
négatif, puis elle veut pas porter plainte, mais vu que c'est une VC, on va le booker pareil. Capté, ben ça, j'ai mis comme chef d'accusation, fait que. On a entrave, VC, possession d'armes prohibées. Ouais. J'ai pas pu parler à la femme si elle avait été victime de violence conjugale, là, mais c'est plus une violence intrafamiliale, mais. Je pense qu'Éric est en train de parler avec. C'est bon, pas de trouble. On se dit au sujet. Je pense que je vais aller chez ma copine ce soir. Je peux pas rester ici là avec attention. Puis je vais pas laisser ma mère tout seul non plus. J'ai pas quoi faire. Ah, y a pas de problème. Venez ici là, je vais vous faire remplir une déclaration là. Puis vous pourrez écrire qu'est-ce qui est arrivé. Puis vous direz que vous voulez pas porter plainte. Mais nous, au point de vue de la loi, on est obligé d'amener votre père au poste. Je vais pas porter plainte parce que après ça, ça va être quoi là? Maman! Éric. Alain, j'ai identifié la mère, puis elle a dit avoir reçu une claque. Elle veut pas porter plainte, mais ça va passer pour la VC aussi. Ok, bon, on va faire un rapport, deux victimes, puis c'est fini là. Au lieu de mettre intrafamilial, on va mettre ça VC, puis. Yes, sir, puis elle, la mère, est prête à donner une déclaration. C'est ça. Moi, j'ai dit à Fé aussi de faire sa déclaration, marquer qu'elle voulait pas porter plainte, puis que nous autres, on allait arrêter son père pareil, puis. Il viendra s'expliquer au juge qu'elle veut pas porter plainte. Ouais, pas de trouble, c'est bon. Puis il y avait une scène de quelque sorte, où ça va? Négatif, il y avait rien. Là, mesdames, je dois vous informer que votre... Ok. Je vais vous le dire. Pour le moment, là, votre mari et vous, votre père, les maîtres d'arrestation, tout pour la police, vous allez pouvoir le rejoindre un peu plus tard, là. Aussitôt que les déclarations vont être complétées, là, on va pouvoir vous mettre au courant, mais pour le moment, il est en état d'arrestation. Mademoiselle, venez ici, là. Faut que je vous identifie. Vous allez faire la déclaration, puis par la suite, pour quitter chez votre ami. Votre nom, c'est quoi? Ouais. Et Ismaël. Ok. Ismaël, votre nom de famille, c'est quoi? Awari. Ismaël Awari, votre date de naissance? 28. Ok, je vais vous demander de signer ça, la déclaration, là. Je l'ai pré-rempli pour vous. Marquez que tout est correct, puis tout est véridique, puis que vous ne voulez pas porter plainte. Hey Alain, c'est Dwayne. J'écoute. Hey, avec tout ça, tu peux-tu checker avec la conjointe, voir si ça n'a pas un permis d'armes ou des armes à la maison? Papa, il va aller à la prison, là, pour lui. J'ai pas de question de ce qu'il y avait dans les mains, j'ai peut-être des doutes qu'il y a autre chose à la maison. C'est quoi qui va se passer avec mon papa? Eric, il va s'en occuper, il est avec la dame. Eric, t'es-tu bon de checker ça pour moi, s'il te plaît? Ouais, c'est bon. Non, mais c'est tout à cause de moi, là. Non, non, vous avez rien, vous avez rien fait de mal, là. Vous avez le droit de vivre, vous avez le droit d'avoir un téléphone, vous avez le droit d'avoir des amis. S'il n'est pas capable de vivre avec ça, ben, malheureusement, là, on va falloir qu'on. Ok, je vous écoute, là, parce que je peux pas parler en même temps que vous. De toute façon, je passe un coup de téléphone avec le juge à côté, voir si on a des motifs pour pouvoir saisir les armes, vu la condition, puis le VC, là, tu me diras avec ta version ce que la dame a dit. Bon, c'est bon, mademoiselle. Vous pouvez aller chez votre ami. 86. Allez, écoute. Okay. Après vérification, prendre note que Mohamed Sidri est détenteur d'un permis d'armes restreinte et il y a trois armes enregistrées dans sa résidence. Capté, je vais passer un coup de téléphone au juge pour avoir un mandat de saisie vu la gradation des faits de violence conjugale. On se dit au studio. Studio, écoute. En addition, le Mohamed devait travailler au poste en cellule. C'est possible. Bon, mais c'est ce qui conclut notre super patrouille 91 Québec pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker et surtout de partager nos vidéos avec vos amis. Et si vous jamais voulez vous joindre à nous, allez sur 91québec.org pour postuler comme policier, civil ou bien pompier. Merci et à la prochaine.